Je suis Roch Feuillade, le cofondateur de Quick, un site d'entraînement en mathématiques. Et depuis un an et demi, donc, on travaille pour améliorer le site et intégrer l'enseignement de la programmation depuis que ça fait partie des nouveaux programmes. La question importante qui se pose aujourd'hui, c'est comment on peut évaluer des élèves en programmation à l'écrit, à l'épreuve du brevet. Donc pour commencer, je vais rappeler ce que c'est un algorithme. Un algorithme, c'est simplement une série d'instructions qui vous permet de faire quelque chose. Cette série d'instructions, elle est généralement écrite pour être comprise par n'importe qui, un humain par exemple. Donc un algorithme, ça peut très bien être une recette de cuisine qui va vous dire étape par étape comment faire un gâteau au chocolat. La différence avec un programme, c'est qu'un programme est un algorithme écrit pour un ordinateur. Cette série d'instructions, du coup, doit être compréhensible par un ordinateur pour qu'il l'exécute. Ici, on voit un programme écrit dans le langage JavaScript, et comme on peut le voir, il est très peu lisible pour un humain non initié. Un programme a souvent beaucoup de syntaxe pour que l'ordinateur puisse le comprendre. Du coup, pour les élèves, on ne va pas leur faire apprendre toute cette syntaxe, et c'est pour ça qu'on a inventé la programmation par bloc. Donc c'est un programme écrit pour un ordinateur, mais compréhensible par un humain. La programmation par bloc a pour avantage de ne pas avoir de syntaxe. L'élève n'a que à déplacer des blocs et à compléter des blocs avec des valeurs. Dans la programmation par bloc, on retrouve à peu près 6 catégories de blocs. La base, c'est le bloc d'instruction. Donc c'est simplement une chose que l'ordinateur va exécuter directement. Par exemple, effacer tout ce qui est à l'écran, jouer un son. Le deuxième type de bloc le plus utilisé, c'est la boucle. Ça permet de répéter plusieurs fois une série d'instructions. On utilise par exemple la boucle répétée 10 fois, et dans ces cas-là, la série d'instructions qui sera contenue dans cette boucle sera répétée 10 fois. Ensuite, le bloc de conditions permet d'exécuter une série d'instructions en fonction de l'état du système. Par exemple, vous pouvez avoir un programme avec un capteur qui regarde s'il fait jour, et s'il fait nuit, le programme allume les lumières. Ensuite, vous avez les variables, donc ce qui permet de stocker une information que vous pouvez ensuite réutiliser tout au long du programme. Ensuite, les fonctions, c'est une série d'instructions qu'on va pouvoir rappeler quand on veut, n'importe quand dans notre programme. Enfin, les événements, c'est un bloc qui va permettre de déclencher l'exécution d'un programme en fonction d'un événement type une touche du clavier sur lequel l'élève appuie. Maintenant, la question, c'est comment on peut évaluer des élèves en algorithmie à l'écrit. Donc la première chose qu'on peut demander à un élève, c'est de savoir lire un algorithme. Une façon de lui demander de voir s'il sait lire un algorithme, c'est de lui demander de l'exécuter. On lui donne des conditions initiales et on lui dit, voilà, exécute cet algorithme, dessine-moi ou écris-moi le résultat de cet algorithme. Une autre façon de faire lire un algorithme, c'est de demander à l'élève de comprendre l'algorithme. On va par exemple lui demander, est-ce que l'algorithme suivant dessine bien le dessin que j'ai mis à côté ? Donc c'est un peu comme le premier exemple, sauf que cette fois-ci, on lui a un peu donné une partie de la réponse. Une fois qu'on a demandé à l'élève de lire un algorithme, on va pouvoir lui demander de l'écrire. Mais bien sûr, comme il ne pourra pas vraiment le programmer en entier, le tester, vérifier ce qu'il n'a pas fait d'erreur, on va simplement lui demander d'écrire des parties d'algorithme. Donc là, je prends l'exemple comment faire dessiner un carré. Donc en fait, au début, on ne sait pas du tout dans quelle situation on est. Donc on demande d'aller en 0,0 pour ne pas se retrouver collé sur un bord. On s'oriente à 90 degrés, parce qu'on ne savait pas dans quelle était notre orientation. Donc en s'orientant à 90 degrés, on sait exactement par où on va partir. On efface tout et on se met en position d'écriture pour dessiner. Et là, le programme nous dit qu'on répète plusieurs fois quelque chose. Il faut qu'on trouve ce nombre. Qu'il faut qu'on avance de 100. Donc là, j'avance de 100. Qu'on tourne. Et ça, naturellement, on voit qu'il faut le faire 4 fois. Donc les réponses ici, c'était de répéter 4 fois cette boucle et à chaque fois, on tourne de 90 degrés. Alors, deuxième façon de voir si les élèves savent écrire un algorithme, c'est de leur demander de modifier l'algorithme. Donc ici, on a un algorithme qui dessine un carré et on va leur demander de le modifier pour qu'il dessine un pentagone. Donc le début, c'est pareil, il y a une phase d'initialisation où forcément, on doit replacer notre point au centre de l'image pour ne pas être sur un bord. On ne va pas s'orienter à 90 degrés ici, on va s'orienter à 144 degrés pour faire comme le pentagone qu'on a en exemple. On efface tout et on se met en position d'écriture. Ensuite, donc le pentagone ici n'a pas 4 côtés mais 5, donc on va faire 5 fois la boucle. À chaque fois, on avance de 100, ça c'est pareil. Et cette fois-ci, au lieu de tourner de 90 degrés comme on faisait pour le carré, il faut tourner de 72 degrés à chaque fois. On est de cette façon-là et on tourne de 72 degrés pour faire un autre côté.
Donc ensuite, je recommence, j'avance, et ça, je le fais 5 fois. Et voilà, j'ai dessiné mon pentagone. Donc ce genre d'exercice permet assez bien de savoir si un élève sait écrire un algorithme. J'en profite pour vous dire que sur Quick, nous avons développé toute une série d'exercices d'algorithmie. Ces exercices vont permettre à vos élèves de s'entraîner et de progresser sur ces nouvelles notions. Tous ces exercices sont disponibles en accès libre. Alors, je vous encourage à les utiliser le plus possible avec vos élèves. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile pour découvrir cette nouvelle discipline. Et moi, je vous dis à très vite sur Quick.